Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2024. Il reste deux signes. Je vais aller découvrir celui qui va sortir. Vous l'avez déjà en titre de vidéo. Et restez bien, s'il vous plaît, jusqu'au bout de la vidéo car j'aurai une requête spéciale à vous soumettre. On y va, c'est parti. Reste Cancer et Capricorne. Alors, lequel des deux va sortir? J'essaie de brasser deux cartes et qu'elles sortent. De toute façon, ce sera un des deux, puis ensuite ce sera l'autre. Donc, vous y aurez droit quand même. Allez, on va prendre celui-ci. Hop. Capricorne, à votre tour. Qu'est-ce qu'on a pour vous en stock ce mois-ci en énergie générale? Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ou si vous avez du Capricorne dans votre thème astral, cette vidéo est faite pour vous. Alors, être équitable. On a quelque chose qui est en train de s'harmoniser entre le cœur et l'esprit, entre ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas encore. On a aussi une relation qui peut s'harmoniser, s'apaiser. C'est aussi donner et recevoir. Donc, vous savez donner comme vous savez recevoir. Savoir recevoir, par exemple, c'est ne pas rejeter un compliment. Ou c'est, par exemple, quand vous répondez avec plaisir, quand on vous remercie, au lieu de rien. De rien, c'est un rejet, on rejette. Voilà, donc être équitable, c'est tout ça. Enfin, en tout cas, il y a tout ça qui me vient. Alors, on va prendre celui-ci. Voilà, je le mets là, comme ça, vous le voyez mieux. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ou Capricorne dans son thème astral. Alors, elle est sortie très vite. Amorcer un nouveau cycle, la première lumière. Mais oui, vous sortez d'un tunnel de 15 ans, les amis, avec Pluton dans votre signe, qui maintenant s'installe dans le signe des Verseaux. Alors, c'est comme, en fait, ce que je ressens, enfin, pour vous, hein, c'est comme ce, vous savez, quand on se met la main devant les yeux, après avoir, en fait, on est ébloui par la lumière. Voilà, ça faisait un moment qu'on était dans le noir, on ressort, waouh. Et c'est un peu, voilà, cet aspect-là. Qui a été, je pense, travaillé au mois de février, c'est-à-dire, ça y est, je ressens enfin cette lumière et tout, c'est éblouissant, j'y vois pas clair. Dans le noir, on n'y voit pas clair, mais trop de lumière non plus. Et là, justement, ça va être cette amorce, c'est-à-dire que ça y est, ça se dessine, les contours se précisent, vous voyez, voilà, c'est un peu comme aussi, vous avez monté, 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 monté. Et une fois que vous êtes arrivé là-haut, vous savez ce qui vous attend derrière, après une montée, par exemple, en voiture, hein. Mais voilà, il y a tout ça déjà qui... C'est inspirant, hein. Il y a tout ça qui vient. Alors, hop là. On a derrière un masque, choisir de s'accepter. Donc, c'est ce que vous avez aussi dû travailler pour moi. Et ça va être comment vous intégrer tout ça maintenant dans ce nouveau cycle, puisque c'est toujours l'intégration de l'ancien cycle hein, qui fait qu'on ne reproduit pas un schéma, un comportement, le type de relation qu'on peut attirer à soi. Donc, on va tout de suite découvrir ce que le tarot de Marseille nous dit. Alors ça a voulu parler d'un coup là. Alors on a quoi? On a l'étoile, l'as de denier, le 10 de coupe, le jugement. Je les aurais bien gardés, mais je veux poser des questions précises. Donc quand la carte saute, j'ai la réponse moi dans ma tête à la question invisible hein, que j'ai posée. Alors, 5 de bâton, 2 de bâton. Ben, je m'arrête déjà là parce qu'on a plein d'informations. Le 2 de bâton nous dit... En fait, ce qui se prépare dans la coulisse, c'est toutes les possibilités que vous ne voyez peut-être pas encore. Le 2 de bâton, il nous dit, il faut déterminer la destination. Il y a plein de possibilités, il y a plein de chemins. Et dans ta carte du monde, dans votre carte du monde, pardon, en fait, on vous dit, c'est l'itinéraire qui, une fois suivi, vous emmènera à la destination. Mais s'il n'y a pas de destination, il n'y aura pas d'itinéraire. Donc vous pouvez avoir la sensation d'être dans cet entre-deux, parce que le 5 de bâton, donc l'énergie qui est tombée, la carte qui est tombée, va nous parler d'une énergie bordélique. C'est-à-dire, bah, y a tout en même temps. Ça peut être... Alors, c'est pas forcément tout en même temps. C'est un peu... voilà, il y a à boire et à manger. Il y a des choses qui se passent, d'autres qui se passent pas, d'autres qui reviennent, d'autres qui machin, d'autres qui sont retardés. Bref, j'y vois pas clair. Or, on vous dit, au lieu de disperser son énergie, parce que le 5 de bâton, c'est un peu comme...
la compétition. Ça s'appelle la totalité, ça veut dire qu'on est sur tous les fronts et que ça peut être une dispersion d'énergie. C'est pas forcément une mauvaise carte, mais c'est pas une bonne carte non plus. Donc ça, c'est, on va dire, votre essence même au mois de mars, ça va être de recalibrer ça et de vous reconcentrer sur le fait qu'il y a de multiples possibilités. Vous pouvez pas être au four et au moulin en même temps, vous pouvez pas être, comment dire? Ouais, là c'est un petit peu, voilà, je dois être partout, je dois être toujours sur le qui-vive, sur le combat. Voilà, il y a ça hein, qui vient avec le bâton, c'est-à-dire cette combativité qui n'est pas forcément appropriée. C'est-à-dire que vibratoirement, en fait, dans vos actes, c'est un acte, hein, c'est une manière d'agir, on va dire plutôt, dans cette manière d'agir, vous êtes en train de dire vibratoirement, ce que je veux n'est pas là. Ou alors je dois lutter pour l'avoir. Et si vous luttez pour l'avoir, ça veut dire que vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, donc l'univers va abonder dans votre sens. Ok, tu ne l'as pas. Donc, on ne te le donne pas. Comme ça, vous continuez à ne pas l'avoir. C'est ça, abonder, donc l'abondance. Ça peut être positif ou négatif. C'est abonder dans le même sens. C'est-à-dire, ça suit votre, ça se met au même calibre que vous, vibratoirement. Donc, le 5 de bâton, c'est un agissement, c'est un comportement à regarder. C'est-à-dire, ben voilà, je sais qu'il y a plein de possibilités. Donc pourquoi m'agiter si je sais que ça vient à moi? Si je ne sais pas que ça vient à moi, c'est normal d'être dans cet état-là. Mais alors, dans ces cas-là, il va falloir travailler en profondeur, un peu plus en profondeur, pour pouvoir être dans le savoir et non pas j'ai besoin de. D'accord? Alors, je continue. Reine de bâton. 4 d'épée. Ouais, cavalier de deniers. Roue de fortune. Alors celle-là, elle nous a fait une autre voltige. Et en synthèse. Ah, ok, le 2 de coupe. D'accord, ça explique pourquoi, effectivement, on vous fait travailler un aspect que vous n'avez pas forcément. Si vous, par exemple, vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, vous n'avez pas. Enfin, vous avez déjà un aspect terrestre assez fort. Voilà, dans le thème astral, il faudra regarder quels sont les éléments dominants. Donc ça peut être des éléments terre, terrestres, des éléments émotionnels. Hein. Donc par exemple, si vous avez une dominante poisson, vous êtes déjà moins Capricorne. Imaginons que vous êtes né en décembre, vous êtes donc signe solaire Capricorne. Mais si vous avez par exemple votre Jupiter en poisson, votre Mars en poisson, votre Pluton en scorpion, votre Neptune en cancer, alors. J'invente, hein, parce que générationnellement, il y a certaines planètes qui ne bougeront pas en 20 ans, voilà, comme par exemple Neptune, etc. Mais en gros, vous êtes plus signe d'eau que signe Capricorne, signe de terre. Voilà, alors je referme la parenthèse. Ici, on vous fait travailler l'aspect donc de passage à l'action. Un travail sur l'image de soi avec la reine de bâton. La reine de bâton va nous dire, c'est d'apprendre à se mettre en avant, de partager, d'être dans cette forme d'opulence, c'est un état d'esprit aussi, hein. Et dans ce que vous, dans la manière dont vous agissez, c'est d'être dans ce partage. Voilà, c'est de s'ouvrir. Alors, pour moi, il y a une ouverture chakra-cœur ici avec le 2 de coupe, mais on peut aussi parler d'une relation qui vous fait travailler ou alors d'un objectif. Ça peut être un nouveau contrat, un métier plus aligné avec votre vous d'aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit arrêtez de vous agiter. Hein. Le 4 d'épée, il nous dit mentalement, c'est calme plat, c'est de la tranquillité, c'est de la méditation, ça peut être aussi du repos, du sommeil. Et on vous dit surtout, il est temps de vous reposer. Oui, c'est en cours, oui, ça arrive. Et là, c'est de l'ordre de, c'est pas à vous de faire, c'est pas à vous de. C'est comme si c'était plus votre affaire en fait. Pour transmettre, c'est un peu comme quand vous cliquez sur un truc. Et ça y est, c'est parti, c'est envoyé, voyez? C'est un peu comme une lettre à la poste, une fois qu'elle est dans la boîte, c'est plus entre vos mains, hein, par essence même. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, c'est comme si, en fait, en restant dans le 5 de bâton, vous gardiez cette lettre au lieu de la glisser et qu'elle soit remise donc au destinataire. Et là, l'univers, il dit, mais vas-tu lâcher? Vas-tu lâcher ton travail énergétique et peut-être terminer? C'est-à-dire que vous, Capricorne, je vous vois toujours, parce que j'ai pas mal de Capricorne déjà dans mon thème astral et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont Capricorne ou dominantes. Non, je continue, je continue, je me retrousse ces manches, je vais jusqu'au bout, des jusque-boutistes.
Sauf que il y a une co-création avec l'invisible et que si vous faites jusqu'au bout, c'est-à-dire vous faites, vous faites, vous faites, déjà vous dites que c'est pas là. Donc vous pouvez rester dans un espèce de paradoxe temporel, c'est-à-dire je sais que c'est là, mais c'est pas là. On va dire vous êtes un des signes qui est vu comme étant un des plus patients, sachant que ça veut rien dire, ça veut tout et rien dire, parce que il y a certains signes qui sont dépeints comme étant ceci, alors que, enfin voilà, c'est pas du tout le cas. C'est bien plus complexe que ça, l'astrologie est bien plus complet aussi. Néanmoins, là on vous dit, plus tu vas faire, plus ça va être le bordel, parce que ce n'est plus entre tes mains, il faut lâcher. Alors je vais vous épargner le lâcher prise, bien sûr. Comment pratiquer le lâcher prise quand on ne sait pas qu'il faut le pratiquer ou quand on ne sait pas le pratiquer? Le lâcher prise, c'est bon, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est plus comment dire, de mon ressort. Je laisse l'univers faire. Lâcher prise, c'est arrêter de tenir le truc. Imaginez, vous passez commande auprès du serveur, vous lui retenez le tablier, la manche ou voilà. Bah, il peut pas aller transmettre votre commande au cuisinier, par exemple. Donc, vous n'aurez pas votre commande. Alors que là, c'est ah, voilà, ça y est. Donc, comment reconnaître qu'on a fait sa part? C'est quand on est satisfait. Et si vous êtes dans le perfectionnisme, ça va être d'accepter que ce soit pas parfait. C'est-à-dire, voilà, dans tout ce que je pouvais faire, il n'y a pas de denier ici. Donc, ça veut dire qu'on Il faudra avoir ce regard de ok, là où je peux me reposer, c'est quand je sais que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, dans mes capacités, dans ce que j'avais aujourd'hui. Voilà, ça c'est cette forme de satisfaction et de repos mental dont vous avez besoin. Et peut-être aussi de remettre à plus tard l'ajournement. Hein, c'est vraiment ouais, je ferai demain. J'apprends aussi à, comment dire, à prioriser. Prioriser mes besoins au profit du travail toujours. Donc c'est-à-dire que voilà, quand à 18h par exemple, 19h, il est temps de passer à autre chose, vous saurez vous arrêter. Vous voyez, vous arrêterez de travailler en vous disant bah, j'ai déjà beaucoup bien travaillé. Voilà, c'est pas français ce que je viens de dire, mais vous voyez l'idée. Le reste, je ferai demain. Vous voyez, c'est cet aspect-là qu'on vous fait travailler. Sinon, au bout d'un moment, vous n'avez plus de repos et possiblement plus d'énergie, plus de motivation. C'est le bazar. Il y a des choses qui reviennent que vous ne comprenez pas. Pourtant, ça a été travaillé. Enfin, voyez, et ça peut être aussi spirituel, hein. Travail spirituel, enfin, travail de développement personnel et spirituel, ça va tout imbriquer. Ça va imbriquer vos projets, votre carrière professionnelle ou votre retraite avec vos projets personnels aussi. Ça va imbriquer votre vie sentimentale, votre vie familiale, etc. Donc là, on vous dit lâchez, lâchez au maximum, c'est-à-dire savoir quand est-ce que vous pouvez vous relaxer. Un 4 d'épée, c'est vraiment le gisant, c'est le repos. Et c'est aussi de laisser d'autres choses se passer. Donc, d'où être équitable. Donner et recevoir, c'est ce que je donne, je reçois. Mais si vous ne donnez, vous donnez trop, vous ne laissez pas la place pour recevoir. C'est ça aussi. Alors, je vais compléter. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. 8 de denier. Alors, pratique régulière. Changement des habitudes. Dans vos habitudes, il y a un truc à changer. Dans votre environnement. Ah, soleil renversé. Attendez, je ne sais pas comment il est tombé en fait. J'ai pas vu. Bon. Je garde l'information du soleil. Je la remets dans le paquet, la carte. Ne vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas vous léser. C'est juste que je pense qu'elle est tombée retournée, mais je n'ai pas vu. Alors. Valet d'épée. Alors oui, donc il y a une clarté d'esprit. C'est l'aspect du soleil en termes de clarté d'esprit avec je sais que je dois travailler cet aspect-là. Je sais que je dois travailler ou pratiquer au quotidien la confiance, le partage, donner, recevoir, savoir recevoir, c'est aussi du partage. Je pense à la sixième loi. Attendez. Sixième loi de l'univers. Voilà, j'ai pas le nom.
La loi de la compensation. Voilà, c'est celle-là qui me vient à l'idée, à l'image en tête. Alors, valet de bâton, valet d'épée. Ah, l'impératrice, c'est le jugement. Ah, derrière, on a le chariot. Alors, ok, à ce stade, ok, on a donc 1, 2, 3 lames majeures, 4 en dodo deck, 5 ici. Derrière, on a, vous avez le monde, l'as de bâton, la justice. Ok. Jugement, 2 de coupe, possiblement une réconciliation. Maintenant, ça va être aussi un réveil qui vous permet de vous rapprocher au plus, enfin, comment dire, de vous rapprocher au plus de quelque chose, d'aligner avec vous. Donc, ça peut être une relation, un métier ou un contrat. Roue de fortune nous dit, vous êtes en train de transmuter en fait. C'est-à-dire qu'en ayant une vision claire de du type de personnalité, hein, reine de bâton, c'est un type de personnalité. C'est-à-dire que c'est pas forcément se mettre en avant au détriment des autres, occuper tout l'espace dans une pièce en étant super atypique, super extraverti, etc. C'est plutôt je me valide. Donc là, on vous apprend à être dans cet aspect-là de personnalité. Donc c'est une pratique régulière. C'est pour ça que le 8 de denier vous dit, en fait, c'est en maintenant les bonnes pratiques, les habitudes, de mettre en place ces nouvelles habitudes, que vous allez arriver à ce réveil, à cette résurrection en tant qu'impératrice, donc messieurs, en tant qu'empereur. On va transposer. Maintenant, l'énergie de l'impératrice, c'est celle qui règne, qui protège, qui possède, celle qui investit intelligemment, celle qui fertilise. Donc, elle porte à fruition. Elle porte à maturité certaines choses, notamment les projets. On parle aussi d'abondance, on parle aussi de création, de transformation. Pour moi, c'est une transformation interne, c'est une création interne. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, c'est en développant. Alors, au lieu de réfléchir, on vous dit, passez à l'acte dans les petites choses qui vont vous faire être dans cette impératrice reine de bâton. C'est-à-dire dans cet aspect où vous vous sentez accompli, sans avoir besoin de trop en faire, mais surtout en étant. Être, c'est un état. Faire, c'est une action. Ça ne veut pas dire que vous êtes. Quand vous faites quelque chose, ça ne veut pas dire de vous que vous êtes cette chose. Ça veut dire que vous avez tiré sur une corde pour obtenir un résultat, pour ensuite être dans la satisfaction. Alors que si vous êtes satisfaite, satisfait de vous-même, sans avoir besoin de faire, de prouver, comment dire, de briquer jusqu'à l'os. Enfin, je ne sais pas, j'ai l'huile de coude en fait dans la tête. Donc, au lieu de vous échiner à toujours être impeccable, enfin, impeccable dans le sens devoir faire les choses de manière parfaite, etc. Donc, perfectionnisme, donc d'être dans le contrôle, une forme de rigidité, c'est-à-dire mentale. Là, on vous dit, vous êtes en train de pratiquer la souplesse, la flexibilité. C'est-à-dire, au lieu de vous dire, ouais, c'est pas normal, faut que je termine, nanani, vous êtes plutôt, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Le 8 de denier sur un 5 de bâton, il y a quand même ce regard sur votre environnement global de travail, dans la famille, dans votre vie quotidienne, par exemple. Bon, bah, j'ai passé l'aspirateur, j'ai fait la vaisselle, j'ai sorti le linge, il reste plus rien dans le panier à linge sale, le lit est fait, etc. Oh, bah tiens, je peux me reposer un peu. Vous voyez, au lieu de dire, bon, bah, faut que je passe la serpillière, faut que j'aille faire les courses, faut que je mette. Voilà, ça, c'est du 5 de bâton. C'est-à-dire, on est sur tous les fronts, tout le temps, toujours. Alors que là, on vous dit, non, le repos va être très important et surtout d'aller vers des petites activités qui vous épanouissent. Pour être épanoui, il faut faire des choses épanouissantes. Et si vous ne faites pas des choses épanouissantes, c'est normal qu'au bout d'un moment, vous tiriez la langue en vous disant oh, pourquoi là c'est le bazar? Ben non, c'est parce qu'il y a à donner et recevoir. Donc, par exemple, si vous voulez qu'on vous fiche la paix, il faut aussi vous foutre la paix. OK? Vous reposer. Montrer que vous respectez aussi ces temps de repos, égal, je régénère mon corps. Et oui, donc d'accord, on a les amoureux. Alors un lien d'âme très spécifique. Ça peut être aussi un contrat, une vocation, une mission d'âme, quelque chose de très particulier que le cœur a décrété et que nul,
événement, circonstance, personne, que sais-je, ne pourra venir secouer, ne pourra venir troubler en fait. C'est-à-dire que même si vous pourriez être troublé au début, vous savez que c'est le bazar, qu'il y a des choses à régler et tout ça, et ça reste. C'est-à-dire, peu importe, hein, les gens ils viennent, ils partent, mais un lien d'âme, ça reste, même si ça part. C'est-à-dire que c'est toujours là, c'est jamais parti. Même s'il peut y avoir la distance géographique, une distance temporelle, enfin le temps qui passe. Non, non, non. Cœur, il a décrété, c'est comme ça. Alors, un métier, pareil, un rêve, hein, c'est, voilà, vous transposez bien sûr à ce qui vous intéresse comme domaine dans cette guidance. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui est parti. Pourquoi j'ai l'aspect Neptune en Capricorne. Regardez où est votre Neptune. J'ai l'aspect aussi. Ouais, quelqu'un qui est parti, qui revient. Alors là, c'est très intéressant, c'est très spécifique. Je vais prendre des mots-clés, tiens. Allez, je vais prendre des mots-clés pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a l'été, espoir, quelque chose qui renaît, qui refleurit, qui s'épanouit. On parle d'une évolution. Intuition. Jalousie. Alors. On a succès, doute, et on en a une qui est tombée que je ne vois pas. Ah si, elle est là. Hop là. Alors, fin. Santé. Il y a la fin d'un schéma. Il y a la fin aussi d'une situation qui vous a obligé à vous remettre au premier plan. Alors, j'ai l'impression que c'est lié à un signe d'air. Voilà, pour les signes astro qui me viennent, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a montré ce que c'était de devoir vous remettre au premier plan, dans le sens, je donne, je reçois. Mais pour recevoir, il faut que j'apprenne à recevoir. Parce que si vous donnez, 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 en fait, c'est comme un espace où vous avez plus d'espace et tout est plein, en fait. Tout est plein, c'est-à-dire vous occupez tout l'espace à donner, donc vous ne pouvez pas recevoir. Et c'est ça qu'on vous a appris à faire. Donc un signe d'air possiblement. Maintenant, est-ce que c'est fini avec? Je pense que pour certaines personnes, oui. C'est pas forcément un signe d'air. Ou alors la personne, elle peut être signe de feu, signe, enfin, ascendant feu, lune en terre, et puis après tout le reste, c'est un signe d'air, vous voyez? Donc c'est pas une obligation que ce soit un signe d'air. Par contre, je sens bien l'énergie, ouais, qui vous a fait travailler, le repos mental, l'énergie qui vous fait travailler aussi, la priorisation ou la conscientisation de l'état dans lequel vous êtes, c'est-à-dire une conscientisation quasi immédiate. Alors, jugement, les amoureux, le 2-2 coupe, ouais, on a possiblement, alors ce mois-ci, des rapprochements, des réconciliations. Ou des projets hein, qui commencent à se mettre en place. On va voir déjà ce que vous avez dû travailler. Alors attendez, parce que là, toi tu vas, on va t'utiliser juste après. Ok, pour les Capricornes, elles sont en Capricorne, lune en Capricorne. Alors ça peut être aussi la fin d'un attachement avec quelqu'un qui va vous permettre de vous rêver, enfin de maintenant pouvoir profiter, dormir sur vos deux oreilles avec une personne qui est plus alignée aussi. Je pense qu'il y a eu, regardez en novembre, ce que j'ai dit pour vous en novembre. Voilà. Évidence, on a l'être aimé. Ouais, trimestre en cours. Alors regardez bien, c'est très intéressant. Elle est par là. Elle est où? Attendez, je l'ai vue. Je viens de la voir. Voilà. La carte de la réconciliation dont j'ai vu les couleurs. Alors, événement proche, ouais, c'est imminent, hein. Et choix à faire, lien de vie antérieure, d'accord, donc c'est pas forcément un partenaire de vie ici dont on parle, ça peut être juste quelqu'un dont le cœur
sait qu'il y a un historique, qu'il y a quelque chose de spécial, une personne que vous aimez. Alors, ce qui est assez intéressant, regardez bien, on a 43, 34. Donc, 4, 3, 3, 4. Voilà, là, on a du 4. Bon, ça s'arrête là. Parce qu'après, on a du 27. Donc, rien à voir. Maintenant, avec cette personne, est-ce que vous allez rencontrer l'être aimé? Si vous êtes célibataire sans personne en vue, voilà, on a donc deux fois le même mot. Je pense que ça se passe d'explication, d'interprétation. Voilà, deux fois le même mot. Évidence. Donc c'est évident que oui, ou oui, c'est votre évidence. Alors, sur l'être aimé, temps à part. Ouais, pour des questions d'ego. On a l'enfant intérieur avec l'événement proche. Attendez. Je recommence. Sur l'événement proche. Alors voilà ce qui est tombé, la seconde chance. C'est parce que j'ai pas posé la question que la réponse n'était pas cohérente. Maintenant, seconde chance, enfant intérieur qui nettoie possiblement ses peurs égotiques. Sur le choix à faire, qu'est-ce que vous allez choisir? Ah bon bah l'enfant intérieur et l'ego. Vous allez choisir de travailler là-dessus, je pense, hein. Parce que regardez derrière, on a la vitesse d'évolution. Ouais, je vais en prendre un subsidiaire parce que il y a quelque chose là. La balance. Voilà, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Le pendule nous parle de quelque chose qui part et qui revient. Donc le temps à part l'être aimé, ça a été pour travailler l'enfant intérieur, l'ego, et de se choisir, de choisir la version qui est priorisée, puisque vous vous priorisez. La balance, ça je l'explique plus en profondeur sur les vidéos Patreon. Le contenu Patreon est beaucoup plus profond, dans le sens où je vais vraiment en profondeur. La balance. Donc l'équité, être équitable, c'est pareil. Donner, recevoir, harmonisation, décision aussi de réharmoniser, voilà, de mettre son ego de côté possiblement. Alors la nuit, ouais, ce que vous ne voyez pas, c'est que c'est en train de vitesse d'évolution, voilà, c'est en train de fuser. Je pense aussi que pour certaines personnes, ça s'est déjà produit et vous êtes déjà dans la seconde chance. Voilà. Si ça ne s'est pas encore produit, bah, c'est en cours. Et si ce n'est pas supposé se produire, c'est pour laisser la place à une autre personne qui sera plus alignée encore une fois. OK? Alors, la flamme. Ouais, de revenir aussi à ce qui vous passionne, la foudre féminin. Vous êtes en train aussi de vous émanciper d'une obligation à être, mais de suivre vos passions, de suivre vos envies, d'être plus dans la spontanéité, hein, reine de bâton, et d'être vous-même en fait, sans toujours calculer. Alors de l'autre côté, qu'a reçu la personne? Donc de vous, ça vous permettra, cette partie-là vous permet de réajuster votre comportement, sachant que je n'interroge pas les cartes sur une personne qui n'est pas consentante, ça s'appelle du viol psychique. Voilà, préfère le préciser. Ok, c'est dit sur mon site web aussi. Alors, je t'aime, ben oui, on a de l'amour. Maintenant, où elle en est? Donc, je traverse une mauvaise passe. Ça correspond à votre foudre à vous. Regardez d'ailleurs, c'est le même numéro et c'est le même nom. Enfin, foudre. 30 et 30. Ouais. Vous sortez de la nuit, elle y est plongée là. C'est-à-dire que plus vous maintenez cette conscientisation de ce qui vous énergise, de ce qui vous permet de rester dans la lumière, plus cette personne va y venir. C'est-à-dire qu'elle va, quand elle pensera à vous, bah, vous, vu que vous êtes dans la lumière, elle finira par penser à vous de manière lumineuse. Notamment s'il y a du gros bagage entre vous, hein. Je reviens à temps moi. Voilà, bon bah ça c'est dit et j'ai des blocages. Ok, bon, pour l'instant, patience, hein, je dirais. Pour certains, certaines, il y a encore des étapes à franchir. Ok, et notamment
Là, on vous le dit, le contrôle, la surveillance, là, pendant la séparation. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, où elle en est, etc. Si la personne vous a bloqué, par exemple, vous l'avez bloqué, ça, c'est pas que ça veut rien dire, ça veut juste dire que vous devez accepter l'état, comment dire, de lâcher prise. Ne pas sur... Enfin, si vous surveillez, ça veut dire qu'il y a derrière, possiblement, voilà, tout à l'heure on l'avait le mot-clé, hein, la jalousie, les doutes, etc. Là, si par exemple vous lâchez en disant, ok, je sais que la personne va revenir vers moi, alors c'est pas forcément pour une relation, attention. Ça peut être aussi pour clôturer, ça peut être aussi pour franchir une étape. Ok? Ça, c'est en guidance privée, hein. Ça reste une guidance générale, donc vous prenez, vous laissez. Néanmoins, voilà, on a vraiment ce côté, il y a de l'amour inconditionnel, mais il y a aussi le fait de devoir travailler son chakra cœur. Si vous n'avez personne en vue, si vous avez personne en vue, par contre, pardon, en fait, on vous dit, votre blocage par rapport à ouvrir votre cœur, à partager, à savoir recevoir, est en train d'être travaillé. Et l'amour reviendra. Si vous n'avez vraiment personne en vue, on parle de l'amour, du fait d'avoir une relation significative, quelque chose qui soit inscrit dans la durée ou en tout cas qui soit significatif. Voilà. Moi, j'ai pas. On va dire, alors, il y a une personne très chère à votre cœur, très spécifique. Maintenant, pour la faisabilité de la relation ce mois-ci, ça sera en guidance privée que je pourrais vous dire, parce que là, c'est trop général, en fait. Voilà, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Alors, un petit message pour terminer. Alors, cette vidéo a été plus courte que d'autres, mais d'autres ont été plus longues parce qu'il y avait besoin d'en dire plus. D'accord? Ne vous sentez pas lésé si, par exemple, vous voyez que Bélier, ça a duré 57 minutes, il y avait pas mal de choses à dire. Voilà, ça dépend des signes, ça dépend de ce que je ressens, ça dépend des... Ok? Qu'est-ce que vous direz cette personne? Voilà. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de mon isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Voilà, mes très chers Capricornes. Ce que je voulais vous dire en début de vidéo, je sollicite encore 2-3 minutes de votre temps. YouTube, qui est la plateforme principale sur laquelle je propose mon travail, me met en visibilité si j'ai des commentaires sous les vidéos. C'est ce qu'on appelle la loi de l'algorithme. Cette loi, fait que beaucoup de personnes, pour avoir de la visibilité, choisissent des sujets qui peuvent être scandaleux, émotionnellement challengeants, par exemple des niches de true crime ou des vidéos qui vont parler de la vie de stars, des scandales, de tout ça, va susciter beaucoup de réactions. Ou alors des vidéos qui ont pour but, enfin qu'on pourrait appeler ou qualifier de, c'est pas moi qui le dis, hein, des chouins-buzz ou putaclic. C'est-à-dire que ça va provoquer du scandale, ça va faire des faux clashs pour que les gens participent sous les vidéos en commentaire. Les likes, le temps d'implication, la lueur que vous avez dans les yeux, les sourires que moi je peux provoquer dans mes vidéos que vous regardez ne sera jamais tenu en compte par YouTube. C'est-à-dire que l'algorithme va dire non mais cette vidéo, il y a trois commentaires, elle a passé une heure à parler, c'est donc pas intéressant. Donc, progressivement, je suis mise à la trappe. Le but n'étant pas d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, mais surtout de la visibilité. Maintenant, ça va de pair. Je suis d'accord, ça va de pair, c'est comme ça que ça fonctionne. Ceci étant dit, dans le soin que j'apporte à vous fournir des vidéos que j'estime un tantinet qualitative, avec du contenu, avec des références, avec des outils, avec des pistes, je me dis que si vous m'aidez, je peux rester visible sur YouTube parce que au bout d'un moment, si vous n'avez plus accès à mes vidéos parce que je ne suis plus visible, YouTube vous désabonne aussi. Voilà. Au bout de 6 mois d'inactivité, il me semble qu'il y a un désabonnement. C'est-à-dire que YouTube va faire le tri comme compte inactif ou comme compte qui n'est plus intéressé. Moi, je me suis rendu compte que j'avais été désabonné. Me dit, tiens, bah, j'étais pas abonné, mais si, je me suis abonné, je suis sûre, je lui laisse des likes, je mets des commentaires, merci pour ce travail, merci pour cette recherche, cette qualité, etc. Donc, je vous demande pas grand-chose en réalité, mais juste quand vous passez sur la vidéo, ne serait-ce que
Un merci avec un smiley. Vous n'êtes pas obligé d'étaler votre vie. Je comprends que par pudeur, certaines personnes ne veulent pas commenter. Mais ne serait-ce qu'un merci, déjà, ça montre que vous êtes calibré sur la gratitude et surtout sur un investissement énergétique, votre temps. Et cette petite action, c'est beaucoup pour vous. C'est énorme pour moi. Et surtout, ça coûte rien, c'est gratuit. Et ça fait beaucoup de bien. Surtout, ça me motive à continuer. Parce que quand je vois la chaîne décliner comme ça, je me dis, décliner ou d'autres qui sont ultra visibles. Et je ne peux pas comparer mon travail à celui des autres. Néanmoins, je me dis, bah ouais, mais là, je commence à me poser des questions. Est-ce que je ne devrais pas changer de niche et faire du true crime? J'en serais capable. J'y ai déjà songé fortement, mais en gardant l'aspect du tarot comme étant activité principale, puisque je vis de cette activité. Donc mon agenda et tout ça est souvent toujours rempli. Donc c'est pas le problème, c'est pas rameuter pour avoir du monde, c'est surtout pour faire vivre la chaîne YouTube et pour que les gens qui n'aient pas le budget puissent quand même avoir du contenu. Voilà, quelqu'un me l'a dit, hein, donc je reprends les termes d'un abonné qui a commenté et qui a dit, voilà, pour une fois, c'est pas on me dit que tu auras une jambe gauche, on me dit que ta jambe droite ceci. Voilà, moi je me cache pas derrière des on me dit que. Non, je vous explique, voilà. Et vous prenez, vous laissez, vous triez. Et surtout, ça peut provoquer des déclics. C'est en tout cas ce que je recherche. Et j'espère avoir rempli ma mission encore une fois ce mois-ci. En tout cas, je compte sur vous. Vraiment, c'est rien pour vous. C'est 3 secondes, hein, un commentaire, bim, bam, boum. Voilà. Et c'est fait. Et surtout, avoir le réflexe. Moi, je le fais pour les chaînes que je suis. Parce qu'en étant dedans, maintenant, je sais qu'elles. Ça prend, quelles ressources ça demande derrière dans l'invisible. Hein, il n'y a pas que c'est pas juste balancer une vidéo, il y a aussi le temps de montage. Voilà pour les vidéos les plus poussées, il y a énormément de temps derrière en studio, on va dire. Voilà, bon, ben moi je retourne à mes studios, c'est-à-dire au montage de cette vidéo. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars. On se retrouve bien sûr très vite. Pour la vidéo de la nouvelle lune dans le signe des poissons, la vidéo hebdomadaire. Dès que j'ai internet, je reposte du contenu beaucoup plus, de manière beaucoup plus accrue. Voilà, parce que là, c'est une organisation spéciale. Voilà, je compile, ensuite je vais chez mes parents, je mets en ligne et ensuite je reviens chez moi pour continuer à travailler. Donc c'est une petite organisation, ça va, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, quand tout sera fluide, vous le sentirez, vous le verrez. Je vous en dirai plus qu'en temps et en heure. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao, ciao!